Salut et bienvenue chez Joe. On a souvent un problème quand on fait de la photo dans les soirées, on est obligé de les prendre à une vitesse absolument phénoménale pour arriver à attraper les spots et de monter l'ISO comme un dingue pour avoir un minimum de lumière du coup. C'est pas très esthétique. Aussi, là, je vais vous montrer comment faire en sorte de rendre ça agréable à voir avec Darktable. C'est parti. Voici donc une photo de soirée prise avec comme on peut. Donc avec un ISO dément, hein, un niveau d'ISO dément, pour essayer d'attraper de la lumière. Et avec un temps d'obturation extrêmement court, hein, on essaie d'attraper le faisceau lumineux. Hein, donc évidemment c'est des rafales en réalité. Donc cette image, bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est quelque chose plutôt comme ça, vous voyez. Essayer de lui donner un air plus sympa. Donc pour ce faire, vous allez dans les modules de tonalité, vous allez dans les niveaux. Et alors déjà, on va ramener le blanc par là. Pas trop, parce que après, ça va être vraiment dur à récupérer. On va le noir là. On va essayer de revenir à quelque chose de réellement noir. Le gris donc doit se trouver par ici. Alors de toute façon, on rajoutera après, mais voilà, on essaie de rendre le truc un petit peu lumineux pour y voir quelque chose, même si ça fait un bruit complètement débile. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc ensuite, vous allez faire un tour dans les modules d'amélioration. Vous demandez la réduction de bruit par profil. Alors dans mon cas, du moins. Je vais utiliser par profil étant donné que je vais essayer de. Vous voyez, Pentax K5 12800. Je voudrais qu'il essaie de me faire ça par ondelette. Donc il essaie de me rattraper ce bruit, vous voyez. Là, on obtient quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse, même si en réalité, on se contente de faire une sorte de lissage en fin de compte. Je veux dire, si j'utilisais la réduction de. La réduction RAW normale, j'obtiendrai quelque chose de très impressionniste, on va dire. Ça peut être sympa, hein, si c'est ce que vous cherchez. Vous pouvez prendre ça comme ça, vous pouvez exagérer les contrastes et ça peut faire un truc très joli. Hein. Si vous voulez, mettons que vous cherchiez à faire un truc dans ce genre-là. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Bon, mettons que j'essaie de faire quelque chose comme ça, que je lui dise ensuite de me le mettre. Allez, vas-y. Alors, on peut donner une impression de peinture à l'huile. Bon. Pourquoi pas, hein? Bon. Mais, vous voyez, c'est pas du tout ce que je recherche, moi. Donc moi, ce que je vais chercher à faire, alors ici, je peux faire un peu de correction au niveau de la couleur si je veux que les spots ressortent mieux. Mais donc, je vais lui demander par profil, je vais lui demander par ondelette, je vais lui demander une force suffisamment importante pour qu'on soit obligé de regarder de près pour voir, voyez, le grain qui est apparu là. Donc, il fait plus penser pour le coup à du grain qu'à du bruit numérique, ce qui est dans notre intérêt. Donc, là, maintenant que j'ai ça, alors si je veux, donc, comme je vous disais, je vais pouvoir faire joujou avec la couleur pour essayer de rendre la chose un peu plus, alors soit plus pétant, soit plus naturel. Dans mon cas, je vais me contenter, oui, contenter de ça, puis que ce que je veux, c'est simplement qu'on voit bien les faisceaux avec les gens qui dansent. Et après, c'est à vous d'ajuster, donc vous jouez entre la correction de couleur et les niveaux, et normalement vous allez pouvoir pas mal vous amuser. Ah, une autre chose qui peut être intéressante aussi, ça va être d'utiliser la courbe. Par exemple, je vais y arriver. Hop, je vais dire. Et si vous voulez faire ressortir des contrastes pour faire une jaquette ou un truc comme ça, vous voyez. Si par exemple vous voulez faire un effet de ce genre, des fois, suivant
les envies du moment. Bon, moi, je suis pas très fan des traficotages dans ce genre-là. Maintenant, ça peut être intéressant, effectivement, comme je disais, pour une jaquette d'album de photos de soirée, voilà, oui, juste comme ça. Voilà. J'espère vous avoir rendu service. La prochaine vidéo devrait être sur Natron, faire des masques qui restent devant les visages, par exemple. Je vais essayer de voir ce que je peux vous proposer d'intéressant. À bientôt chez vous.